Bonjour à tous, bienvenue sur le Cap de GT Vintage. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter une très belle Volkswagen Cabriolet de 1967. Une auto d'origine européenne, puisqu'elle est allemande, et une auto qui a été entièrement restaurée en 2005. Elle se présente à vous ici dans une livrée bleue L633 en référence Volkswagen, avec donc un intérieur noir. Et c'est une auto qui a eu quelques petits accessoires complémentaires, en particulier, comme vous pouvez le voir, moi j'aime beaucoup ces pare-chocs un peu spécifiques qui sont plus des pare-chocs export. Et à première vue également, vous avez vu qu'elle avait des appuis-têtes, donc elle a reçu des sièges un peu plus modernes pour justement un meilleur confort. Mais je dirais que ça ne dénote en rien sur le véhicule, qui conserve complètement son originalité, en particulier ce magnifique tableau de bord spécifique avec ce volant superbe et cet intérieur qui est vraiment en très bon état. C'est une auto qui a été entièrement démontée et nous avons un dossier photo assez conséquent avec la voiture que je peux vous présenter ici, où on voit que ce véhicule a été entièrement refait, complètement démonté. Et j'avoue que c'est un gros chantier qui vous permet donc de voir qu'elle a été séparée de son châssis et tout a été refait. C'est une auto donc qui a parcouru à peu près 4000, 5000, 6000 km, pas énormément depuis sa restauration. Elle faisait surtout la joie de son propriétaire pour des réunions de passionnés de Cox. Et c'est une auto qui se présente ici à vous dans un excellent état. Pas de corrosion, vraiment un châssis, vous verrez sur les photos, absolument nickel. Et une auto qui est prête à prendre la route avec un moteur qui lui a été également revu complètement. Et ça vous permet donc d'avoir une auto soit pour les vacances, soit pour des balades, qui est vraiment très sympathique. Et en même temps, c'est un modèle mythique qui, je peux vous assurer, tiendra toujours la cote et en aucun cas sera amené à être dévalorisé. C'est une auto passion. Et ici, on a donc dans la mécanique, on a le moteur 1200 que vous avez ici, qui lui a été revu, qui est en excellent état, qui fonctionne très bien. On a les roues également avec des pneus qui sont un peu des pneus d'époque. Et tous les ensembles vitres, etc. sont opérationnels. Vous avez l'ouverture du capot qui se fait par ici, que je vais vous montrer. Et franchement, on a une très très belle voiture. J'avoue que cette couleur nous plaît beaucoup. C'est la deuxième qu'on a dans cette configuration et on a beaucoup de plaisir à vendre ces cabriolets. Ici, vous avez, j'ai enlevé la roue de secours exprès pour vous montrer que l'intérieur ici, en général, c'est souvent source de misère. Là, on voit qu'on a quelque chose qui a été fait avec beaucoup de soin et surtout pas de corrosion. Moquette, tout a été changé. Cette pièce ici, en général, ça, les gens ne les remontent pas. Donc on a accès à toute l'électricité derrière le tableau de bord, c'est très très moche. Vous voyez que là c'est propre, très propre. Les feux, les optiques, tout a été changé. On a toutes les factures. J'ai également, j'ai constaté dans le dossier les clés, tous les jeux de clés. On a les documents d'époque de notice, etc. On a également tout ce qui est concessionnaire de l'époque et on a deux dossiers de restauration avec les factures. Voilà, ici vous avez énormément de factures qui vous sont fournies et un deuxième dossier, ça c'est quand même génial. Et nous avons, comme je vous le disais, le document allemand avec tous les propriétaires du véhicule et tout le suivi administratif tamponné. Donc ça, c'est quand même sympa. Vous avez un historique du véhicule quand même super complet. Ça, c'est cadeau pour le futur acquéreur. Et j'avoue que c'est toujours pour nous super intéressant de vendre un véhicule avec autant de documents. Alors évidemment, cette auto sera vendue avec le contrôle technique. On s'occupe de faire l'immatriculation. Il n'y a aucun souci là-dessus. Elle sera garantie. Et je vais vous la démarrer. Je sais que vous êtes très nombreux à vouloir les entendre. Donc cette petite auto a un poste qui fonctionne. Donc il faudra juste sortir l'antenne pour qu'il fonctionne. Et au démarrage, c'est un petit bijou. Jauge à essence, compteur,
Donc on est bien en kilomètre heure. Là, un petit starter automatique. Vous voyez les intérieurs de porte, tout est nickel. Vous avez également la moquette, c'est très propre. Ça a été fait avec beaucoup de soin, tous les joints ont été changés. Les joints de porte, les joints de vitre, les joints de carrosserie. Les baguettes également sont en parfait état. La mécanique. Deux petites sorties d'échappement. Des petits feux spécifiques. Des appuis-têtes en parfait état. Voilà, c'est en train de chauffer. Je voulais vous également vous montrer la capote avec le couvre-capote, capote qui est doublé d'origine, en parfait état également. Vous voyez que les lèches-vitres, les petites custodes, les rétros, tout est neuf. La peinture est absolument magnifique, il n'y a pas de défaut. Ça, c'est quand même intéressant. Cette auto donc est prête. Voilà, le starter s'est arrêté. Ça tourne tout doucement. Ça mériterait peut-être de monter légèrement le ralenti. Mais voilà. Vous avez cette coccinelle disponible chez GT Vintage avec un beau dossier de restauration, une très belle carrosserie, un châssis en parfait état, véhicule qui a été dessiné par Karmann et modèle 67, modèle très recherché, très demandé. Disponible chez GT Vintage. Merci et à très bientôt.